Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous, on est reparti dans nos 8 albums fantômes. Je vous réexplique au cas où vous débarquez sur cette vidéo. J'analyse 8 albums qui ont été annoncés et que l'on attend depuis des années. Cette vidéo est en deux parties. Je vous mets un lien si vous n'avez pas vu la première. Et donc là, on va voir les 4 derniers albums fantômes. Bon visionnage et intro. Je suis dans le délire, wow. Je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Fitch il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique. Tellement d'eau, j'en ai. Ultraviolet, Ateyaba, aka Joke. Le 24 novembre 2017, la France entière découvre le lacage d'Ateyaba. Il y a même des gens qui disent que l'album s'appelle Ultraviolet parce qu'en fait, il n'existe pas. Le poteau avait même annoncé une tournée en 2018, j'avais pris ma place pour aller le voir, on m'a remboursé. Annulé, encore une fois, il n'a pas tenu promesse. Depuis, le mec se la joue mystérieux, il drop des sons de temps en temps, et il fait des sons qui sont incroyables, comme dans les mix Spirit of Ecstasy avec Lekni Frog, le producteur, et Ben Dorado, le graphiste. Je pense notamment au son LG Biri, là. Yo, je pense à comme Fantin la tour, suce-moi, je vais pas te faire la cour. Moi, alias, je l'aime comme ma tasse, pour que je déplace, faut qu'on me ralasse. Qui est pour moi incroyable. Ateyaba est toujours là sans vraiment être là. Mais alors que se passe-t-il pour qu'il préfère sortir sa musique de façon chaotique plutôt que sortir un projet? La réponse, elle est très simple, personne ne l'a à part lui-même. Certes, SOE, c'est très original comme médium de communication, mais ça ne répond à aucune logique. De faire des mix avec d'autres sons qui sont pas à toi et tout, enfin ça correspond à rien. En fait, moi j'en suis arrivé tout simplement à la conclusion que Ateyaba, c'est un peu le Kanye West français. En tout cas, en termes de personnalité. De grandes idées, beaucoup de déclarations énigmatiques et même provocatrices sur Twitter, pour au final annoncer un tas de trucs qu'il fait pas. Côté personnel, il est aussi devenu père, donc je pense que sa vie, ça doit quand même être pas mal le bordel. Vraiment, moi j'étais un très très gros fan d'Ateyaba. Mais aujourd'hui, j'étais tellement déçu que je peux même pas faire le mec qui a trop hâte que ça sorte. La vérité, je m'en bats les. Quand ça sortira, j'irai écouter. Je pense vraiment que j'irai écouter parce que j'aime bien ce qu'il fait en général. Mais que ça sorte ou que ça sorte pas, aujourd'hui, ça me... Non, ça me fait ni chaud ni froid. Ok, le mec dit il n'est pas une machine à créer et je peux tout à fait comprendre ça. Mais wesh, abuse pas. Je m'adresse à lui comme s'il allait regarder la vidéo. Bref. Alors quel est le pourcentage de chance de voir Ultraviolet drop un jour? Quelque chose comme 25%. Vous pouvez toujours espérer, mais sincèrement, moi je pense que c'est mort et que ça sortira jamais. Un peu notre détox français. 667 Radio, volume 2. Si peu d'entre nous connaissaient 667 au moment du volume 1, beaucoup d'entre vous se sont plongés dans les archives en attendant la suite. J'ai très peu d'informations sur la façon dont ça a été enregistré le volume 1, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on retrouve des têtes qui aujourd'hui ne sont plus dans la secte. Alors, pourquoi le volume 2 ne sort pas? Alors qu'il a été annoncé quand même il y a des années, autour de 2016-2017. Ce que je peux vous dire sur le volume 2, c'est qu'il existe bel et bien. Des choses ont été faites, des morceaux sont déjà là. Mais vous savez, sortir ce genre de projet quand on est plusieurs, c'est une entreprise bien difficile à mettre en place. Réussir à chauffer tout le monde pour sortir des sons et tout concorder, vraiment, c'est quelque chose de technique. Pour vous donner juste un exemple, début 2019, on m'a fait écouter un son. Je sip un mélange vénère. Vous voyez ce son-là? Il a été créé, enfin moi quand je l'ai écouté en tout cas, c'était début 2019. Mais genre, mois de janvier 2019. Et il manquait un refrain. Et apparemment, là on est en 2020, et le morceau est complet. Donc vous voyez, ça c'est juste un son. Imaginez si c'est 15 sons, 20 sons. Imaginez un peu la logistique qu'il faut derrière. Maintenant, le moment que vous attendez tous, combien de pourcentage de chances que ça sorte? Avec tous les éléments que je vous ai dit, il y a toujours un doute qui subsiste. Donc je peux pas dire que c'est 100% de chance que ça sorte. De mon avis extérieur et observateur, tu vois, je ne sais pas ce qui se fait en interne. Pour moi, et d'après mes informations, ça peut très bien arriver dans 6 mois, comme ça peut très bien arriver dans 2 ans. Je dirais qu'on est plutôt autour de 66,7%. Ouais. À peu près. Walla Red, Playboi Carti. Alors vraiment, Playboi Carti, lui, c'est un artiste à part. Déjà, je vous le dis, si vous le savez pas, j'ai sorti une vidéo à son concert quand il est venu à Paris. C'est dispo, c'est sur YouTube, allez voir si ça vous intéresse. Mais je vous cache pas que c'était une déception de le voir en live. Et je me suis même dit après le concert que j'allais arrêter de trop l'écouter parce que vraiment, c'était de la merde. Cependant, en mai 2018, il a sorti le projet Die Lit. Et Die Lit, c'est un chef-d'œuvre. Tu écoutes juste l'intro et c'est parti, attrape ton cup. Ego, ego, on y va, on y va, on y va, on y va. He gon' wake up. Hey, he gon' wake up, watch. Watch. He gon' wake up, watch. Ah!
C'était clairement mon album rap de 2018, en tout cas de rap américain. Cependant, depuis, c'est le Silence Ratio, en tout cas officiellement. Depuis août 2018 et la révélation du nom de l'album Walla the Red, ses fans attendent impatiemment, mais pas de façon passive. Un peu moins d'un an après, le 28 juillet 2019, Playboi Carti annonce que Walla the Red allait sortir dans 60 jours. One eternity later. Nous voilà près de 200 jours plus tard et je ne vois pas Walla the Red. Mais alors, pourquoi ça ne drop pas? Playboi Carti, c'est l'artiste du leak. Il a plus de sons qui sont sortis sous forme de leak que de sons officiels. Depuis Dial It, il n'a sorti aucun son solo, que des feats. Personnellement, je pense que c'était une stratégie, car tous ces leaks nous ont menés en mai 2019 et le leak du son PC Pampers, ou Kid Cudi. Alors contrairement à ce que la majorité des gens pensent, c'est un son de Young Nudy et pas de Carti qui a été produit par Pierre Bourne. Et à la base, c'était un son qui devait être sur Similaire, la tape en commun entre Young Nudy et Pierre Bourne. Qu'est-ce qui s'est passé avec PC Pumper? C'est un leak qui s'est retrouvé sur Spotify et qui atteint la première place du classement des sons les plus viraux après que Young Nudy l'ait fait à Coachella. Ce son a clairement fait le buzz, il y a même eu des petites vidéos qui ont été faites dessus. Bref, tout ça me semble bien orchestré. Pourquoi? Parce que comment tu expliques qu'un son d'artistes qui sont signés en label et tout, quelqu'un peut le mettre comme ça sur Spotify, pouf, et y a aucun label qui se réveille pour dire non mais attends, on a des droits non dessus. Alors que moi, je mets 11 secondes, on vient me striker ma vidéo. Durant toute cette année et tous ces leaks, il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de Carti. Et vraiment, la communauté, c'est les cool kids avant tout. Tous les gars un peu hype, ils écoutent du Carti. Et en tout cas, si toute l'année, on a vraiment eu l'impression qu'il y a eu effectivement des leaks, PC Pampers, pour moi, ça ne ressemble absolument pas à un leak. Et c'est là où ils se sont cramés. En tout cas, en 2020, Carti a dit qu'il était prêt pour sortir l'album. Yeah. When do we get a new album? Yeah. Mm, yeah. Yeah, sure. 20 is the year. Of course. Il a aussi dit qu'il n'y aurait aucun feat parce qu'il y avait la tracklist qui avait fuité aussi, blablabla. Je suis le premier à dire que Carti parle chinois, mais pour ce coup-là, j'ai envie de me mouiller et je pense que à 70%, cet album va sortir cette année. Ça fait vraiment longtemps qu'il est derrière la sortie, les leaks, ça a 25 minutes, comment il mange, et sa communauté est prête. Tout le monde attend un album de Carti maintenant. Les gens bouillonnent à l'intérieur d'eux, tu vois, ils veulent que Carti sorte son album. Eternal Take. Bon, au moment où je finis le montage, Uzi sort Eternal Take. Hasard, je ne crois pas. Mais c'est pas très grave, il y a eu une longue attente sur ce projet, et cette partie va permettre de retracer un peu l'histoire et de comprendre plusieurs choses à propos de Uzi. Maintenant qu'on s'est expliqué, on peut reprendre. En 2018, le rappeur de Philadelphie avait annoncé le projet Eternal Take. Mais dans le courant de l'année, il avait aussi annoncé vouloir arrêter la musique, et retourner en 2013 quand il était encore libre. Pourtant, depuis, des singles sont sortis, comme New Patek, Sang in Paradise, et plus récemment, Eternal Take. Mais alors, que se passe-t-il pour que le projet ne sorte pas? Hein, Illusi? Dis-le nous! L'Illusiver, c'est un artiste qui est très problématique au niveau des accords qu'il a signés. Je me souviens, en 2015, il y avait des rumeurs comme quoi il avait rejoint même le Taylor Gang. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu Wiz Khalifa montrer des plaques dans sa story qu'il avait reçues pour certains sons de Uzi. Taylor Gang or die, you say what you wanna say. You know what I'm saying, but... Why they presented to me, though? Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense très sincèrement qu'il aurait dû signer dans le Taylor Gang, ça lui aurait permis d'être encore assez libre pour pouvoir faire ce qu'il veut. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, il a rejoint le label de DJ Drama, et c'était le début des ennuis pour notre Lil'Uziver. Moi, je m'y connais pas en tout ce qui est contrat et tout, mais je sais qu'au niveau contractuel, il ne pouvait pas sortir son projet. Voilà, c'était impossible, en tout cas à ce moment-là. Au risque de dire des bêtises, je pense que le label s'est bien gavé en fait sur Love is Rage 2 et surtout le son EXO Tour Life et que en fait avec ça il n'avait tout simplement pas besoin que Uzi sorte des sons qui marchent moins bien en fait que ce qu'il avait déjà fait. Et en tout cas pendant cette période notre petite souris verte était très triste parce qu'il est très proche de sa communauté et il aime sortir des sons, il aime produire des choses pour ses vrais fanatiques. C'est vraiment quelqu'un de sensible.
Mais, en 2020, Eternal Tech est plus proche que jamais. Le single Futsal Shuffle est juste là en guise d'apéritif, et d'après Uzi, et d'après même DJ Drama qui apporte tout son soutien à Uzi, Eternal Tech devrait voir le jour en 2020. Affaire à suivre. Au niveau des pourcentages, je pense qu'on est pas loin d'un 80% de chances que ça sorte cette année. Depuis, Uzi a publié 3 images sur Twitter et a demandé à sa communauté de choisir la cover d'Eternal Take. Voici celle qui a gagné et celle qui fera la tracklist. Tout ça pour dire qu'en vrai, on était plutôt sur un 100% à ce moment-là. Ça fait vraiment longtemps qu'il n'a rien drop et ils ont besoin de se remplir les poches un peu. De faire du bif sur ce pauvre Uzi. Et voilà, le compte est bon, ça fait 8 projets qui ne sont toujours pas sortis, qu'on attend, qui ne sortiront peut-être jamais, d'autres qui sortiront peut-être. Seul l'avenir pourra nous répondre à tout ça. J'ai été vraiment très heureux de faire cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'était avant tout pour faire un SO à Mac Miller. Bon, Fredo aussi, en vrai, hein, mais j'ai moins écouté Fredo Santana que Mac Miller. Et c'était cool aussi de faire toutes ces recherches, de regarder les projets, il y en a plein d'autres, hein, j'imagine, d'ailleurs, mettez-les-moi en commentaire. Mais sachez que avant de faire cette vidéo, j'avais posé la question sur mon Instagram, et j'aurais dit, donnez-moi des noms de projets qui ne sont pas sortis et que vous attendez. Donc venez vraiment sur mon Instagram, c'est là que tout se passe, c'est là que la magie opère. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue pour en plus en rajouter une couche. Portez-vous bien, on est ensemble, et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la lune. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engui et j'ai la puff. Tu as rêvé, tu veux l'acheter? Lève ton cul et va bosser. Luchi gang gang gang.